C'est dinguerie, toi. Oh là là, la vache. Oh la dinguerie. Mamène. Ok, les potes, c'est que le pas. J'espère que vous allez bien, les potes. Écoutez, les potes. Oh. Mamène. Les potes, écoutez. Ce soir, unboxing de folie. Puisque ce soir, les potes, on va unboxer ça là. Cet énorme carton qui prend tout l'écran, voilà. Tu me vois à peine sur le Tego comme ça là. Ouais, je suis là, juste là. J'ai fait une collaboration dernièrement, un shooting photo sur le toit du Printemps Haussmann avec d'autres influenceurs mecs. Le jour du shooting, on a fait des stories, j'ai fait un post Instagram avec un petit collage comme vous aimez le voir sur mon compte Instagram. Mais comme t'étais tu, t'as pas donné de la force, en fait pour toi, c'est pas grave. Tu as beaucoup de contenu exclusif qui se trouve que sur Instagram en dehors de YouTube et c'est bien dommage. Bouton rouge, tu t'abonnes, fin de l'histoire. Et du coup, les potes, sans plus tarder, bah. On va unboxer ça ? Ouais, c'est parti. Du coup, les potes, avant de commencer l'unboxing, juste petit point rapide pour vous dire un peu qui est derrière la marque CP Company. Voilà, parce que c'est une marque qui n'est pas connue du grand public. Mais contrairement à Stone Islands, qui est un peu plus connu quand on parle de Stone Islands, on sait que c'est un peu lié au streetwear, Supreme, etc. Un peu hype et tout ça. Et en fait, CP Company, c'est le même créateur, c'est Massimo Osti, donc le même créateur que Stone Islands. C'est aussi lui qui a fait cette marque-là, qui est CP Company aujourd'hui. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et si vous voulez, la marque a été rapidement qualifiée d'innovante et avant-gardiste dans son domaine, voilà. Et en fait, pour les créations, Massimo s'inspire vraiment du monde professionnel et aussi des codes militaires. Et ça l'a beaucoup inspiré pour créer sa marque, pour créer ses marques, voilà, ces deux marques. Et c'est vraiment année après année que la marque a vraiment pris du galon, a pris de l'assurance et a su se démarquer en fait par rapport à la recherche, à la création de nouveaux matériaux, de nouveaux textiles également, innovants. Toujours plus innovant pour améliorer la qualité des produits et fabriquer des vêtements conçus pour durer. Voilà, c'est pas quand tu prends une pièce CP Company, c'est pas pour plaisanter. Achète vraiment une belle pièce, d'accord? C'est une pièce qui va te durer dans le temps. C'est pas une pièce qui va s'abîmer facilement, qui va s'user facilement. C'est une pièce qui va vraiment te durer. Donc elle va peut-être te coûter cher sur le coup, mais ça va être rentable dans les années qui vont suivre parce qu'il y a des textiles premium, une qualité premium, et tu vas vraiment pouvoir l'accorder avec plein de tenues et tout. Donc franchement, c'est vraiment une très très bonne marque qui a tout de suite en plus su faire ses preuves. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui a fait la force de CP Company et de Stone Islands. Voilà. Voilà les potes. Du coup les potes, c'est parti, on prend cet énorme carton et on va unboxer ça. Si je regarde souvent en bas, c'est parce que juste là... Il y a mon retour écran en fait, parce qu'en fait si vous voulez, ma caméra n'est pas le retour écran que je vois de ce que je filme. Donc il y a mon Mac en fait qui prend le retour écran de la caméra. Je vous préviens en cas où, parce que ça peut être stressant, ça peut être relou. Donc voilà, hop. Un petit papier de soie et tout. Tu vois ? Oh là là. Ouh là 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 là. Oh putain, c'est dinguerie toi. Oh là là, la vache. Oh la dinguerie. J'ai déjà des vêtements de CP Company, tu vois, j'ai déjà collaboré avec eux, mais je suis choqué en fait de la qualité des produits, genre, c'est n'importe quoi en fait. Là, on a le premier article, donc... C'est une stevée, comme ça, avec une capuche. Le terme, c'est Goggle Jacket. Ça, c'est vraiment le modèle de veste iconique de CP Company. Quand vous verrez les visuels et tout, vous verrez mieux les détails, la matière surtout. Tous les liens seront en barre d'infos si vous voulez cop ou quoi. En fait, elle est comme ça. Donc là, une matière un peu déperlante, un peu... C'est un 100% nylon, tissé à partir d'une multitude de différents types de fils de nylon, conçu sur mesure pour les mois les plus froids. Une capuche zippée permet de couvrir complètement le visage par temps froid. C'est vraiment les Goggle Jacket, donc en fait, les lunettes incorporées à la capuche, qui fait que quand il fait vraiment froid, tu peux entièrement mettre la capuche jusqu'en haut, comme As, prends la capuche, la veste jusqu'en haut. Il y a des petites roues là pour respirer, voilà. Tu peux voir à travers les verres, qui sont pas du tout opaques, et tu peux directement te couvrir jusqu'en haut et tout, enfin c'est incroyable. Du coup, petit détail, on a les petits scratchs pour resserrer au niveau des poignets, donc ça c'est vraiment charmé. Ça, c'est un truc vraiment que je kiffe parce que ça permet d'avoir une coupe au niveau des manches plus resserrée au niveau des poignets. Ça se trouve, la manche elle va être large, donc ça va faire un truc un peu oversize, enfin un peu large, tu vois. Et là, hop, resserré. Les poches sont zippées comme as. Elles sont archi profondes par contre. Alors ça par contre, les boutons rechangent, stylé. Là, ouh le détail. Détail de fou là, regardez la petite sangle. La sangle et tout avec le scratch comme ça là. Comme ça là tu peux resserrer comme tu veux. Hop, il y a encore de la marge. Hop, hop, tu tires, tu resserres.
Et du coup, ça fait une coupe un peu plus cintrée, plus resserrée. Après, ce qui est lourd aussi là-dessus, c'est les poches pectorales. Tu mets ta Navigo, tu mets, je sais pas, tu mets ce que tu veux, ton téléphone, tu mets, je sais pas, là, t'as une grande poche, une plus petite poche. Non, c'est énorme, c'est énervé. Non, franchement, la veste est incroyable, frère. Suivant. Ah ouais, ça c'est beau, ça. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, on a affaire à un petit gilet comme ça, en mode... Vous savez, les matières qui est un peu chez Uniqlo, là. Tu mets ça sur un pull ou quoi, et ça tient chaud et tout. Et ça, là, vraiment, là je peux vraiment dire qu'on retrouve un peu l'univers de Stone Island, vous savez. Là, il manque plus que la manche qui vient ici, avec le petit stone, la petite étoile et puis c'est stone quoi. Franchement très simple, noir. Donc là vous voyez avec le... Là j'ai une lumière bleue, une lumière rouge, ça fait un peu bizarre mais c'est noir. 100% noir. Et là je kiffe trop le petit détail devant là comme ça, c'est marqué CP Company. C'est vraiment trop stylé. Non, franchement c'est vraiment lourd. C'est super lourd. Mec pour l'hiver je vais être rincé. Mec c'est pas grillé mais là en plus ça tient chaud. Là c'est une matière qui va tenir chaud. Imagine toi tu mets ça sous un manteau ou quoi. Tu mets un pull, tu mets ça par dessus et un manteau. Le détail en plus... Le scratch qui est là, qui se replie. Et hop, tu peux aussi resserrer au niveau du cou. Du coup, t'es encore plus au chaud. Il n'y a pas d'air qui passe, il n'y a rien qui passe. C'est vraiment le feu. C'est trop stylé. De toute façon, vous voyez là le try-on, mais c'est vraiment trop stylé. Je kiffe trop avec les petites poches sur le côté, là, comme ça. Comment je vais être au chaud quand il fera des moins 5, là, des 0 degrés le matin. Ton RER, t'as ton train, ton métro. T'es là, t'attends avec ta musique, là, t'es là. Je vais être au chaud, je vais être tellement bien. Mamacita. Produit suivant les potes, on passe à ce petit. Alors là, franchement, j'ai trop hâte de le porter. Oh là là, ouh, la qualité. Ah, je tombe, non? Frère, regardez-moi ce petit pull en laine. Et si je me trompe pas... Non, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Là, regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit pull. Regardez ma couleur de peau, marron comme ça, avec le petit pull couleur orange un peu rouille. Mon dieu, vous voyez le délire, vous voyez les photos Instagram, ça va fuser, ça va être un film incroyable pour adultes. Je ne dirai pas le terme, voilà. Les looks que je vais faire avec ça là, les potes, ne loupez pas ça s'il vous plaît. Venez sur Instagram, c'est tout ce que j'ai à dire. Venez sur Insta en balle. Les manches renforcées, regardez-moi ça. La couture apparente, volontairement. Là on peut se dire, mais attends, mais c'est à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas à l'envers. Voilà, vous voyez, juste là devant, il y a le petit truc CP Company. Donc là c'est fou. Là c'est vraiment, à la place tu mets l'étoile de Stone Island, c'est vraiment la même marque. Donc là, c'est vraiment là qu'on voit l'identité, le petit rappel entre les deux marques. En même temps, c'est le même créateur, donc forcément, c'est un truc de ouf, quoi. Forcément, il y a des rappels. Mais voilà, donc là, c'est de la laine, le détail de ouf sur les manches avec la petite visière CP Company. Non, c'est fou. Franchement, les potes, j'en suis vraiment fan. C'est ma fois que je fais un unboxing d'un truc qu'on m'envoie et j'en suis 100% fan. C'est ouf. Et pourtant, je vous assure, hein, c'est pas pour dire que du bien, parce que voilà, non, c'est juste que c'est, je le pense vraiment, quoi. C'est... Et puis, regardez-moi, en deux secondes, regardez-moi le pliage, quoi. Regardez-moi le pliage, quoi. Ah là là, les looks que j'ai fait, les potes, j'ai fait des ces looks, ma main. Rien d'y penser, j'ai le sourire aux lèvres, quoi. C'est n'importe quoi. On passe maintenant, les potes. En même temps, j'avais que des hauts depuis tout à l'heure. Là, on passe à un petit pantalon cargo. J'en reviens pas à la qualité du produit, juste au toucher. Toucher la matière des produits. Mais, moi, je mets quasiment jamais de cargo, frère. Je me lève vite fait pour voir comme ça. Tac. Et je mets comme ça. Ah ouais. Donc là on a affaire en fait à un pantalon cargo en fait. Hein. Concrètement c'est cargo. Toujours la petite touche, le logo quoi de la marque, hein, le petit CP Company. Alors par contre, ce que je peux regretter, c'est que c'est pas resserré en bas. Ça c'est vraiment un petit truc que j'aurais bien voulu. C'est que ça soit resserré en bas et c'est pas le cas. Un cargo, ils sont pas forcément tous resserrés en bas. Mais c'est vrai que c'est un petit truc en plus pour mettre en valeur une paire de baskets ou ça tombe bien sur la chaussure ou quoi. J'aurais préféré. Après ça va me changer. C'est vrai que je mets jamais de pantalon comme ça, à part les jeans, mais les coupes régulières comme ça, non resserrées en bas ou quoi, j'ai jamais vraiment en pantalon. Moi je mets jamais de chino, par exemple. Jamais. Je mets jamais de pantalon chino. Parce que j'ai jamais vraiment essayé. Je suis une galère par rapport à ça. Oui, c'est vrai, mais je me cache pas. Il n'y a pas du tout d'élastique en bas. Donc, mais voilà. Et pareil, encore une fois, je précise, là j'ai une lumière bleue, une lumière rouge. La lumière bleue tape dessus, on dirait que c'est un pantalon marine.
couleur marine, bleu marine, mais pas du tout, c'est vraiment noir. Bah, produit suivant les potes. Et on part donc sur les deux derniers produits de cette unboxing, ce haul try-on spécial CP Company. D'ailleurs, dès maintenant, si vous avez kiffé le haul, hein, je peux vous dire dès maintenant, lâchez un pouce bleu en l'air, exposez-moi les pouces bleus, ça me prouvera que vous voulez plus de haul. Et même en commentaire, dites-moi en commentaire de ouf, genre que vous voulez plus de haul, de trucs comme ça, d'unboxing et tout. On passe un bon moment, c'est une bonne ambiance, moi je kiffe, vous kiffez aussi. Avant dernier produit les potes, il s'agit d'un sac comme ça. Alors, faut dire que depuis, j'avoue, hein, du coup, depuis que j'ai mon sac Gucci Vintage, bah, je l'ai, dans ma dernière vidéo, je l'ai mis en fait, quand j'allais faire mon pick-up de la paire de Converse en bouche. Je vous mets le lien en barre d'infos, oui, et juste là, entre le petit i, juste en haut, la bandoulière, comme ça, c'est trop pratique. Et du coup, je suis parti sur ce petit sac-là, en bandoulière, pareil, avec une petite poche ici. Là, on va pas se mentir, c'est clairement la poche de Navigo, d'accord ? 4 Navigo, clairement à voir entrer ici, d'accord? Tu vois ce que je veux dire. Il y a une poche sur le tech comme ça, derrière. Donc vraiment, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment, c'est vraiment multi-poche, quoi. Et, oh la vache, putain, le nombre de poches qu'il y a là-dedans. En gros, t'as un truc comme ça en résille. À l'intérieur, t'as deux autres poches. T'en as une ici. T'as une principale juste là-dedans. On peut resserrer et tout. Mais ça, pour les shootings, ça, l'hiver, c'est grave bien. Au lieu de prendre un appareil, enfin, au lieu de prendre un sac à dos et tout, tu prends un appareil photo et le boîtier. Enfin, tu prends le boîtier. Objectif, tu mets un objectif, hop, tu mets ça là-dedans, tu pars en shooting. Là, tu mets devant, tu mets ta petite Navigo là au calme. Alors là, mon pote, ça sent vraiment. Alors là, pour l'hiver, magnifique, magnifique. Ah bah alors là, produit suivant. On est donc sur. Oui, c'est une cagoule. C'est une cagoule qui est vraiment, vraiment très stylée. Qui va vraiment me tenir bien, 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 bien chaud pour l'hiver. Là, j'ai vraiment hâte de l'enfiler. Je vous dis que quand il va faire du moins 5, moins 10, là, moins 10, c'est j'abuse. Mais il y a des hivers qu'on a eu là en France, il faisait des moins 5, moins 10. Hein. N'oubliez pas aussi. Hop, t'enlèves les deux petits boutons qu'il y a en haut. Même quand les boutons sont apparents ici, c'est même pas choquant, c'est pas gênant. C'est. Comme ça, ça serait bien au chaud, là, les potes. Mais ouais, franchement, les looks que je vais faire là sur Instagram, ça va être la foule. Voilà pour ce dernier article de ce haul. Je suis content. C'est un bel unboxing, vraiment, je vous le dis, c'est ouf, ou trop. Merci les potes d'avoir passé un moment avec moi, en fait c'était grave cool, j'ai grave kiffé faire ce petit haul pour vous. J'espère qu'il vous plaira quoi, j'espère que ça va vous plaire tout ça. Faites-moi savoir par les likes et tout ça, mais sur ce, donc, comme je vous disais, je vous embrasse les potes. Prenez soin de vous, de l'amour en balle comme d'habitude, c'est important, n'oubliez jamais ça, c'est grave important, vraiment. Et les potes, à très vite. Mais très vite pour une prochaine vidéo, ça sera une vidéo fripe en plus. J'étais à Metz, j'étais à Nancy, à Paris. J'ai fait 3 fois des vidéos fripe. Après, à la suite de ça, il y aura un haul fripe. Oh là là. Alors ça, le haul fripe, il va être démentiel. Oh, vous allez kiffer. Alors là, j'en suis sûr. Je me tais. Pour pas louper ça, vous savez ce que vous avez à faire. Je me tais. Allez les potes. Ciao.